Stéphane et Jean. On est en... pas en direct, mais on est en train de vous enregistrer en tout cas notre deuxième jour à AWS Reinvent depuis l'hôtel. Aujourd'hui, on a commencé du coup par assister au petit déjeuner qui était organisé par Reinvent avec l'ensemble des participants. Donc ça c'était dans un immense parking où on estime qu'il y avait au moins 30 000 places possibles. Ça faisait vraiment une espèce de grande cantine, mais c'était assez impressionnant, très organisé avec tout ce qu'il fallait vraiment pour que ça se passe au mieux, sans souci. On a ensuite nous enchaîné sur la keynote des partenaires qui s'est organisée avec l'ensemble des partenaires AWS sur tout le globe. Il y a eu pas mal d'annonces différentes et variées, vraiment spécifiques à la relation partenaire qu'on a avec AWS. La principale qui peut vous intéresser, c'est qu'ils vont vraiment faire un partenariat très concret avec VMware pour pouvoir permettre notamment de faire des migrations entre des clouds vSphere existants et une plateforme AWS. Sur la suite, je vais laisser la parole à Stéphane qui a assisté lui à une première conf en fin de matinée. Ouais, donc là une super conf sur l'optimisation des coûts AWS, et on s'aperçoit que d'une architecture AWS à l'autre, les coûts sont très variables. Et quand on croit sur le cloud comme on est en train de le faire, il faut absolument veiller à ça et avoir une vision quasiment temps réel de sa consommation. Hein, quand on va passer sur du 20 000 $, 25 000 $, 30 000 $ en tout mois, si on peut gagner 50% rien qu'en changeant ses instances ou ses deux, c'est un coût colossal. Donc c'était hyper intéressant avec quelques conseils qu'on va essayer de suivre. Voilà, moi après j'ai commencé l'après-midi par récupérer des petits goodies sympas pour les gens certifiés, donc notamment un petit pins pour dire à tout le monde que oui, je suis certifié, un super t-shirt AWS Certified, etc. D'autres petites choses, des stickers, un petit backpack et une invite à une soirée juste pour les certifier. Après, dans l'après-midi, donc Stéphane et moi, on était vraiment sur des sessions plutôt axées sécu. Donc moi, je vais d'abord parler de celles auxquelles j'ai assisté. Donc une première sur tout ce qui était chiffrement dans l'ensemble, mais nous ce qui nous intéresse vraiment, c'était plutôt chiffrement de volume EBS. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'était vraiment un truc très complexe, c'était une session avancée mais très très intéressante. Et l'autre session à laquelle j'ai assisté, toujours dans le cadre de la sécu, c'était comment automatiser le process de validation de policy. Donc on a vraiment eu un exemple complet avec vraiment des use cases, quoi, typiquement. Comment faire en sorte de vérifier que tous mes users dans mon compte AWS ont ou n'ont pas accès à des droits administrateurs. Donc on vous enverra les liens que j'ai récupérés où vraiment on a accès à tout. Typiquement, il y a trois briques essentielles. AWS Config qui est linké à des fonctions lambda et qui trigger si jamais la validation n'est pas conforme à des alertes via SNS. C'était super intéressant. Et donc pour ma part, c'était plus une présentation des bonnes pratiques sur comment implémenter des bonnes pratiques de sécurité, et notamment très intéressant de voir comment on peut automatiser complètement l'activité de SecOps et apporter de la valeur dans l'expertise plus que dans les analyses de mise en prod. Donc ils nous ont fait un exemple de déclenchement d'une analyse de code de sécurité au moment de la mise en prod par GitHub. C'était l'exemple le plus marquant, mais on peut aussi faire du contrôle, la vérification des accès, loguer exactement qui accède et puis déclencher tout type d'action. Donc ça c'était partie sécurité. Et moi j'ai aussi fait une autre conférence là qui était plus globalement une présentation de lambda et donc vraiment la partie serverless qui était vraiment une très bonne entrée en matière
par un évangéliste de la société Datadog qui est spécialisée dans, dans tout ce qui est problématique de monitoring. Voilà, globalement, c'est cet après-midi. Et moi, donc, pour information, je m'étais... Il faut bien le savoir, en plus, que ces sessions-là sont limitées en place et que souvent, on a dû essayer de s'inscrire auparavant, mais que la plupart du temps, toutes les sessions sont prises. Donc là, j'ai réussi, entre midi et deux, à me rajouter sur deux sessions l'après-midi. La première, c'était sur comment AWS gère les problématiques de DDoS sur ses infrastructures et qu'est-ce qu'il conseille pour les développeurs et pour les infogérants comme vraiment best practice pour implémenter et designer des infrastructures pour qu'elles réussissent à gérer des attaques de cette ampleur-là. C'était assez intéressant, ils ont parlé notamment que ils ont un système qui ressemble à nos anti-DDoS tel Arbor Road qui s'appelle Black Watch, qui est vraiment une solution qui semble maison car impossible d'en trouver la moindre information sur le net. Mais en tout cas, voilà, ils nous ont un peu expliqué comment ça passait et tout comme le disait Juice tout à l'heure, elle a récupéré elle des liens sur des techniques et sur des tutoriels qui peuvent vous montrer ce qu'ils ont présenté. Par rapport au DDoS, il y a aussi, moi j'ai récupéré pas mal de liens qui permettent de nous expliquer comment on peut mettre en place les meilleurs moyens pour arriver à avoir une architecture qui est redondante et qui fait face à des DDoS. Ça, c'est la première conférence. La deuxième sur laquelle je voulais assister, c'était vraiment sur les techniques de réseau et les implémentations spécialisées avec AWS sur certains modes de fonctionnement en particulier. Malheureusement, vous pouvez le regarder sur le net, j'ai fait une vidéo très rapide de ça, mais on a l'event, re-invent se passe sur trois hôtels différents. Le Venetian, le Mirage et encore. Et en fait, ces hôtels-là sont, malgré qu'ils soient proches, ils sont quand même très loin pour y accéder. 15-20 minutes de marche. Voilà, faut vraiment compter 15-20 minutes de marche. Donc, c'est assez compliqué quand on a une session qui démarre à 15 minutes celle d'après. Il faut vraiment courir pour y aller. Et là, par exemple, pour celle-ci, moi, j'ai pas réussi à la voir. Il y avait tellement de monde en plus qui attendait que la session s'est complètement remplie. J'ai pas pu y assister. Mais apparemment, il y aurait une session de rattrapage qui sera en fin de semaine, donc j'essaierai peut-être de récupérer ça. Et sinon, la dernière session sur laquelle j'ai assisté, c'était sur une conférence un peu aussi sur la sécurité aussi, et c'était sur l'implémentation de plusieurs comptes et sur le design finalement quand on a des applications qui sont très complexes ou quand on est une entreprise aussi qui est assez importante et qui a différents services, comment il faut designer les droits notamment des utilisateurs et comment on arrive à répartir les utilisateurs sur différents comptes AWS pour gérer notamment cette sécurité-là, comment on peut l'automatiser et comment on peut être très précis quand même sur les droits de chaque utilisateur tout en étant vraiment assez scalable, on va dire, en tout cas, on pouvoir avoir différents droits sur différents comptes. En tout cas, c'était vraiment très intéressant et ça rejoint en plus ce qu'on a voulu faire nous avec Juice. On est vraiment dans cette logique là, ça nous a vraiment conforté dans les choix technologiques qu'on faisait sur AWS. Et pour terminer, on a rejoint l'espace des stands qui est un espèce de grand hall où toutes les entreprises de l'écosystème AWS étaient présentes. Ça va de New Relic à Datadog quand on en a parlé, à Redis, à Nginx, voilà, pas mal, même Red Hat, enfin il y avait énormément, on les a même pas tous fait, mais c'était super intéressant. On n'a pas vu aller voir tous ces partenaires là et discuter avec eux de pas mal de choses. Ils seront présents jusqu'à la fin de la semaine, on continuera aussi d'aller les interroger sur ce qu'ils pensent d'AWS et comment on peut avec eux aussi continuer à améliorer ces services-là sur du cloud comme celui-là. Voilà, pour nous c'est terminé la journée, on vous souhaite à vous une bonne journée vu que vous êtes en train de commencer et puis on vous racontera la suite, sachant que comme on vous l'a présenté, demain c'est vraiment la keynote importante du CEO qui aura lieu demain matin et après demain c'est celle avec Werner, le CTO d'AWS, qui fera aussi les annonces à mon avis les plus importantes de la semaine. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à demain. À demain.